Et voilà, chers abonnés, je quitte la clinique pour l'hôtel. Il y a le chauffeur qui est passé me chercher. Donc voilà, franchement, il fait très beau aujourd'hui. Franchement, il fait super beau en Tunisie. Franchement, c'est beau. J'espère que je pourrai prendre de très belles photos. Voilà. Nous sommes finalement arrivés à l'hôtel où je vais séjourner jusqu'à mon départ. C'est trop beau. L'hôtel où je vais séjourner est un hôtel 5 étoiles. Et déjà, quand vous prenez votre rendez-vous pour pouvoir faire une chirurgie, c'est l'organisme qui s'occupe de l'hôtel et tout ce qui est nourriture et tout ça. Là, je m'étais installée dans ma chambre. Je suis descendue un petit peu prendre un petit peu d'air. Je voulais pas trop rester dans ma chambre d'hôtel. Et là, je vais un petit peu vous montrer à quoi ressemble ma petite chambre d'hôtel. Et coucou! Alors là, je suis dans ma chambre d'hôtel. Le lieu est magnifique, c'est trop beau. Je vous fais visiter un petit peu. Alors là, c'est la salle de bain. La salle de bain. Et là, c'est la chambre. Et on a une très très belle vue. J'ai une petite terrasse. Et j'ai vue sur la mer. Oh là là, c'est trop 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 beau. Et voilà. Là, nous sommes dans le restaurant. C'est un restaurant à volonté. Là, on peut servir tout ce qu'on veut. J'ai terminé de manger. Il y avait un buffet à volonté. J'ai mangé. Là, je suis en train de profiter un petit peu de la piscine. Bon, je nage pas. Je me suis juste assise un petit peu au bord là, histoire de profiter du soleil un petit peu et de ne pas rester toute seule dans ma chambre. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça a été ma première nuit à l'hôtel. J'ai bien dormi. J'ai eu un petit peu mal. Voilà. Et là, je vais me préparer. Je prends une douche. Je vais me préparer pour aller déjeuner. Parce qu'ici, les déjeuners, c'est des buffets à volonté. Il faut descendre et prendre le déjeuner. Donc je vais y aller, je vais me préparer et prendre aussi mes médicaments. Voilà.
Hey Team Show, j'espère que vous allez bien. Alors là, je suis avec Manel de machirurgie.com. Elle va se présenter, elle va vous expliquer un petit peu ce que consiste machirurgie.com pour certaines qui sont intéressées à venir sur la Tunisie. Alors bonjour tout le monde, c'est Manel, je suis la directrice de machirurgie. C'est la première fois que je fais une vidéo, je suis ravie, mais je suis pas du tout une pro. Si vous êtes intéressé, comme Bekanti, par venir vous faire opérer d'une intervention de chirurgie esthétique en Tunisie, sachez qu'on s'occupe de tout, que le devis que vous aurez, c'est un devis qui comprend tous les frais liés à l'intervention chirurgicale, aux médicaments consommés après, aux vêtements de contention, au séjour à la clinique, séjour à l'hôtel, en pension complète, qu'on vous prend en charge depuis votre arrivée à l'aéroport Tunis-Carthage et jusqu'à votre retour. Si comme Bekanti, donc vous désirez qu'on planifie votre séjour, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Je suis joignable au 07 60 54 54 25. Sur WhatsApp, c'est plus facile. On peut monter le dossier ensemble. On peut discuter de votre projet et on peut planifier votre intervention dans les meilleures conditions. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Merci. La team Shoal, là on est le 18 juillet, c'est le jour de mon départ. J'ai terminé ce que j'avais à faire ici et là je pars. Il fait très 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 chaud. J'ai le soleil là en plein derrière parce que la combinaison que j'ai portée, elle est je sais pas si on peut dire qu'elle est transparente. Bon, elle est pas transparente, mais elle est très très légère. Et j'ai le soleil en plein dans les fesses, ça brûle. Voilà, donc j'ai le vol à 19h. Là, il est 17h. Donc, je partirai un petit peu tôt pour faire l'enregistrement, histoire de ne pas être en retard. Maintenant, il faut trouver mon chemin pour ne pas me perdre. Je sais que le chauffeur, il m'a dit, il faut aller tout droit. Donc, je vais tout droit. Voilà. J'ai vraiment passé un excellent moment en Tunisie. J'ai finalement retrouvé mon chemin. On est bien arrivé à l'aéroport de Marseille. J'ai changé de vêtements parce que j'avais très chaud. Je me suis mis un magnifique boubou que j'ai acheté là-bas. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker, de commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!